Mbote bandeko balandia les avertis na katia chaîne na biso les avertis YouTube et puis lesavertis.net kola pambola bino pona tanya so beaucoup disposé par rapport ya ba émission na biso boye binde tolobaki une fois ou deux fois chaque semaine toujours vers bino pona ko présenter bino makambo nzamba tena kat na biso toujours na série moko tolingi to ya ko pesa na bino puisque après avoir reçu quelques bandeko namoni ke besoin ezali pourquoi puisque je vois que lorsque nous faisons de choses comme ça surtout ça ma vidéo je veux dire deux fois il y a le besoin au ban nzambe misusu ba baza ko manifester par rapport peut-être ma thème autre ko aborder nzamba ko tambusa ngai na ndenge to so la boye na lobi kambo moko boye après likambwana esali que mutu so yo kyango et boti thème mususu. Alors en parlant avec un de mes frères na monagi que tout le bravement ba événement oyo ekoya c'est-à-dire tout le bravement événement oyo ekoya na futur bien avenir c'est-à-dire en tant que moi nzambe nyo sozo landangai émission oyo ezali ou bien série il y a émission auto sala vraiment na cadre ya série ou donc événement tokolo bela ba événement nyonso oyo ekuya ba événement nyonso oyo nano yete me oyo kuya ba événement peut-être auto mona ba signal nango mike mike par rapport ya ce que la Bible a dit mais ce que Yeshua notre maître a dit mais tokolo bela ba événement na comment dire moko na yango pona ko préparer biso puisque il y a deux catégories à batou bat musu bali o bali na préparation pona ko ko mona bo konzali kolo misu bazali pe prêt pona ko mona bo konzali kolo mais tellement tout dans le monde moko zali donc na ba mélange belé deux fois même ndenge Yeshua za koloba que batumi ba ko sa bika moi et ko za la même peut-être ce qu'il y a possible ko donc quoi tirer même ba élu linko ba que dans le monde moko zali très compliqué ce qui osa moi nzamba zo landanga ye que ba événement to makam so ye bino ngote ça c'est un danger pourquoi puisque tu ne sais pas place ni nyoko souke la au fait ce que osa moi nzambe e bongi osa la vraiment na makanisi osa la penser na que nous sommes en train de vivre sur donc sur cette terre ils allaient pour un temps moko limité alors temps oyo limité tant on a qu'à mokili ndezo permettre biso n'est-ce pas tout tisser ba relation on a batou tout tisser ba relation na mokili tout tisser ba relation na nzambe puisque ce que mutu akufi osa sous na tenté yako bongisa ce que mutu akufi okoswa na sous na été ce que mutu akufi okosenge sous pardon te to oko pardonner été c'est-à-dire mutu tant na bon moyi et ali moment oyo vraiment e bongi chaque mutu alors chaque mutu à se poser des questions par rapport y a position naé vis-à-vis Nzambe. Et on a ça que le bakeno nous allons parler des événements. Ba événement okoya, ba événement ozo ça la que yo mo Nzambe au comme après ou prête y a ko comprendre n'est-ce pas tani to komi. Donc tout le vraiment retour y a Yeshua par exemple, tout le retour y a Yeshua, tout le enlèvement tout le donc surtout bien enlèvement tout le bébé sous nini comment dirais-je une basse signification en gros enlèvement ni puisqu'il y a d'autres gens qui ne savent pas qui ne comprennent pas faire cette différence entre le jugement dernier l'enlèvement c'est-à-dire ils savent trop compliqué pour n'abattre sous même bao baza kolinga nzambe yango par la grâce de Dieu tokoluka toyeba comment faire pour n'accouper sa bino n'est-ce pas un message oyo tout bon d'elle d'abord. Nzambe to komisio pour natan nyonso oyo ko passer na biso. To tiki ba mmanyo to ko passer na maboko na yo. Yo za na biso sunga biso to comprendre quelque chose de ta part Seigneur. Ya oto ko kelo ko mokote so ki yo sungi biso te. To ngi pe ko lobate so ki yo oti mal balaka ta mon ko na biso te. Ya ngoto ali ko bebisa nyonso ali maele ya monguna satana. O petra za koya pour na ko pesa biso ba philosophie na e. To ali ko bebisa onyo so ali maele na biso akibo moto. O ko sa ke bungisa bana o papa. Na liko senga mokonzi yo za la maître ya temps oyo. Pe o za la maître du début à la fin ya vidéo oyo. Na kombo no Yeshua. Amen.
Donc, réellement, pour le premier point, il y a une série où il y a événement, d'abord le retour de Yeshua. Puisque déjà, place où il y a une confusion, il y a confusion. Alors, par la grâce de Dieu, il y a une explication de mot à pète pour que nous puissions tout comprendre. Chrétien, il y a un chrétien, c'est-à-dire disciple à Yeshua, tu as un but moko. Pourquoi tu comment va disciple naïe? Tu comment va disciple naïe pour ton dimaïe au fait? Ok? Ton dimaïe, puisque tu yebi que à la kakibiso, il nous avait promis que là où il sera, nous y serons aussi. Yango siko croyant nyonso. Chrétien nyonso, disciple nyonso, moi na nzambe nyonso, et bongi ati na kati ya makanisi na ye que espérance na biso to espoir na biso pour na okota lola ezali à partir ya relation wana, à partir ya foi wana to na kati ya Yeshua. Alors batumi babenga ka retour ya Yeshua, babenga ngo la deuxième venue, c'est-à-dire koya ya mbalami bale. Pour ceux qui balobi que mutu azo donc ba bi retour, c'est que mutu na asi ayaki déjà et bongi aya lisusu. Na ndenge ya ndenge nzambe asala ki bakambu na ye. En fait Yeshua azal ja nzambe, mais il a fallu amikomi sa moto pour akobi ki sa moto. Ami komisi motu, pa abikisa motu. Ça dit motu, l'homme. Yeshua s'est fait chair, selon Jean 1, aina katia mokili, pour nako sauver motu. Mais quand tu l'étais venu sur la terre, azo ki forme ya motu, en commençant par moana, et on te bengi agneau, moana. To bengi anyo aza mwana. Ayaki lokola moto. Lokola moto sans force. Bébé. A botami. Na libungu ya mama. Bébé. C'était la première venue. Maintenant, retour au tozo zlobasuko. Et ça, la deuxième venue. Or, la première venue, il n'y avait pas de disciples. La première venue, il n'y avait pas. En fait. Le concept de la vie éternelle. La première venue, il n'y avait pas encore, bien sûr, avant sa croix, il n'y avait pas encore, Otobengi, le Saint-Esprit, na Katia Moutou. La première venue, il n'y avait pas encore, comment dire, l'espoir, il y a vie éternelle. Il a fallu que Nzambe, a Botami, a Koli, a Komi Moto, a Tikeli Bato, n'est-ce pas? Espoir wana. Akei. Alobi ke, ake ko bongisem no bisika, epi na ko zonga. Ko zonga nan dit ozo, soesko ko lobe lango lelo. Oto bengi retour, bien la deuxième venue. To kompan malam. Première venue na ye, ba prophète ba sakolaki. Première venue. Avant Yeshua Botama, Isaïe a sakolaki, Zacharie a sakolaki. Apocalypse pe aloba kango, mais vraiment na voilà ce que ça na bien sûr na nouvelle alliance, mais na kala avant venu ya Yeshua, celui qui a beaucoup parlé de lui, c'était plus Isaïe. Totanga passage moko Isaïe. Isaïe chapitre 9. Verset 6, Natangi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc Yeshua, parce que le blé a Isaïe. Pourquoi? Puisque Isaïe,
prévu ezala esalema bongo. Ça dit pour la première venue ba prophète ba lobela kiango. Mais pour la seconde venue, la deuxième venue, c'est-à-dire le retour, yemoko a lobela kiango, ma pesa ki ba signe belete à part ba signe physique. Yango les important ba ndeko to comprendre que nous devions être prêts pour l'enlèvement. Puisque le retour ya Yeshua, ya mi balé, ndeza enlèvement pour na biso. Bon comprendre malamo. Ça dit événement liboso pour na biso batu, ezali enlèvement. Donc le belongo la prochaine donc émission. Mais là je suis en train tellement de vous expliquer par rapport ya ce qui va se passer avant l'enlèvement en fait. Avant l'enlèvement, il faut d'abord retourner salement. Mais retourner l'enlèvement, ils a presque ils a bloqué comme balai, mais ils a place moko. Ça dit c'est pas une période mais c'est un instant. Retour. Il y a Yeshua dans l'enlèvement pour na biso batou, ils ali un instant. Ça dit zambala moko. Et ça, il faut que nous, avant d'aller dans la carte, après, non, non, ça dit, il vient pour nous prendre directement. Et c'est ça que nous allons peut-être lire, donc, 1 Thessaloniciens pour nous faire comprendre Moutmoko, chapitre 4, à partir du verset 16, tout en grand rapidement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire, « Awato monake » retour naé, c'est-à-dire la le donc au deuxième retour il y a Yeshua, et ça l'écambouté que il va pas venir sur la terre, il va pas venir sur la terre pourquoi puisque la donc le premier c'est-à-dire le donc la première venue pour aller aya qui na mokili pour abiki sa mokili, c'est ça au fait concept il faut comprendre les bosso angwana, c'est-à-dire il était venu sur la terre pour batou baye pour se faire connaître auprès à Batou. On a dit première, n'est-ce pas, venue naïe. Alors, deuxième venue naïe, à quoi y a pour na Batou n'y a sauté, mais à quoi y a pour na Batou y a yé. Il y a un mot très important de saisir nga malam. Événement y a liboso pour na yo sur l'andangaï, chrétien, disciple, croyant, et zali d'abord enlèvement. Et enlèvement tout le monde a mousindo peut-être na émission okoya, mais à tout ça qu'on tient base par rapport à retour. Tu comprends d'abord retour, il y a Yeshua. Pourquoi est-ce que Yeshua fait zonga? Tout en gelo comme encore rapidement. Tout ça la carte à Mukanda Jean chapitre 16. Jean 16. Botanga vraiment chapitre mon pour comprendre mais tu reçois quelques versets. Donc, on a Jean 16. Toujours à ta verset 5. Donc, aujourd'hui, Jean, chapitre 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Et, allô bien, ouais. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tout ce qu'on a placé. Donc, Yeshua a l'obi awa que il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur
ne viendra pas vers vous. Wow. Ça dit pendant que Yeshua azaki na mokili, le consolateur azaki likolo. Il a fallu maintenant que Yeshua kende pour le consolateur aya na kati na biso. Comme lui, Yeshua était Emmanuel, Dieu parmi son peuple, parmi ses enfants, parmi sa créature, il a fallu maintenant que le consolateur vienne pour que lui, au fait, puisse nous consoler d'abord, puisse nous enseigner, puisse nous expliquer les choses qu'on ne peut pas comprendre de nous-mêmes. C'est ainsi que les gens, ceux-là qui n'ont pas le consolateur, ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit, ne peuvent pas comprendre ces choses. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler des événements. Mais l'événement numéro un, c'est le retour. Pour ne pas dire l'événement numéro zéro, puisque les retours concernent plus Yeshua. Mais je suis en train de vous expliquer ici pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, d'abord, qu'il revienne. Il ne revient pas comme ça, il revient puisqu'il avait promis à l'obagi qui a kozonga. C'est ainsi qu'il faut comprendre que lorsque Yeshua dit une chose, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit des choses, il le fait. C'est-à-dire, tout ce qu'il a dit, il a fait. Il a fait. C'est pourquoi il est important de saisir nga malam bandeko. Na sa senga ke esprit en Zambé et conduire yo zo landangai na tango. Kozala distrait ou to distraitité. Ça, c'est ta vie chrétienne, c'est ta vie, je veux dire, éternelle qui en dépend. Na kati makambo to zo lobalelo. Ce qu'on comprend malamouté tout dans ma question. Il y a un autre comme ça là, série Oyo, peut-être une fois par semaine, émission, c'est-à-dire, je vais dire, série à événement, ce qui dit ça, c'est que grâce à ça là, qu'une fois chaque semaine, tu sali, tu tiens vidéo moko, pour n'a point moko, tu colobé là. Et bien, pour n'a pas, tu tiens on a sewana, pour n'a pas expliqué, place n'y tu sali pour le moment. C'est-à-dire, pour le moment, tu sali, il y a un retour. Ok, comme un retour. Alors retour, avant de nous zonga, pour nous expliquer pourquoi est-ce que hier soit qu'on zonga. On peut parler de retour que ceux qui montent ça qui déjà. Je vous ai expliqué au début, dans le but que première venue naïe ça qui tangwa botamaki le col à moto. Mais deuxième venue naïe que ça la suite que tangwa koya pour nous enlever biso. Mais alors ce qu'on a quand il enlèvement, tout ça qui virgule tobi qui n'est pas l'Onicien chapitre donc 4 tout le bail que tangwa koya. À quoi il a pour nous sauter à côté de Manama Pata. Il ne va plus descendre à côté de Manama Pata. C'est ça l'enlèvement. Et cet enlèvement ne sera pas un événement pour tout le monde. Non. Il y a toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va sentir, mais pressentir ça. Ce que vous avez dit, sans trompette, tu es transformé. Ce que vous avez dit, Yeshua, sans trompette, tu es ressuscité. C'est-à-dire, sans trompette, c'est seulement ceux-là qui lui appartiennent. De bon, sans trompette, nous avons sauté. C'est ainsi qu'après enlèvement, le monde est presque bizarre. Parce qu'il y aura des manques, des vides dans ma famille. Et le monde va continuer comme ça, on est dans ma camoussous, mais nous parlons ici du retour, il y a Yeshua. Alors bien, que non, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas donc vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ça dit. Le Saint-Esprit n'a mini toaza awa. Le Saint-Esprit n'a mini toaza na mokili awa. C'est pourquoi le diable, même tout ce qu'il fait, il ne fait pas parfaitement bien. Pourquoi? Puisqu'il y a une puissance qui l'empêche. Il y a une puissance qui l'empêche de faire tout ce qu'il veut, en fait. Puisque le monde n'appartient pas au diable. Lorsque nous disons que le monde est sous l'emprise du diable, c'est un sens pour dire qu'il contrôle des choses matérielles qui amènent les gens à la destruction, en fait. C'est-à-dire, lui contrôle cela. Mais dans le monde spirituel, le diable n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. C'est pourquoi le Saint-Esprit étant sur la terre, le Saint-Esprit empêche que le diable
asala makambo sozo sala. C'est ainsi même exemple ou bien eloko moko ya mukebe comprendre. Même des mondains lorsqu'ils font des films, ils mettent un âge, ils précisent un âge donc restriction il y a âge pourquoi puisque pour mutoyer bah que non âge oh ils a âge il y a film moi na haute il y a muto haute c'est à dire à partir à 16 ans au côté des locaux à partir de 18 au côté c'est à dire bah même bateau bah ça dans le sens il y a bonzambete bah et ndenge moto mona la peine à cigarette mona batie ba photo ba laxi ma cigarette ba photo o ndenge moto ko maso continue comme la cigarette ça dit ba za forcer ba sala ngo puisque ça ba loi na bango mais malgré ça zo mona que ezali batu ba ko sala ngo po ba ma lingi ko sala ça dit les gens qui vont fumer les gens qui vont boire par exemple sa vie na ba ba ebi que nous les faisons en détruisant notre vie mais ba ba sala ka ba cigarette ona ils sont obligés à collaxa mino que danger ngo c'est ça aussi la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit contrôle. Yeshua, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mabé, masumu. Mutumo kote ata soka sambela kate akindaka ko nakatia ya ba kota ba banini ba prostituée soka za marié a okinanenga ko bata ba mona été. Il est convaincu que ce que je fais, ce n'est pas bien. Moutou mon côté à Yibaka, sans qu'à la gauche ou droite, à Koyiba, tata la gauche ou droite, puisqu'à Yébi, que Koyiba, il y a pas seulement qu'il y a un kanganga, mais il n'est pas à l'aise au fait. Moutou mon côté à Koboma, Moutou, sans qu'à regretter, à Salakate, ça dit Batonios Babomaka, leur vie, au fait, est comme il conduit par des démons tellement, mais dans l'instant, à Abomi Moutou, à regretaka. Pourquoi? Puisque il est convaincu de péché. Mais bien qu'il pratique, il fait le péché. Il commet le péché. C'est-à-dire le Saint-Esprit va convaincre, n'est-ce pas, le monde en ce qui concerne le péché. Hein? Et puis, la justice, tout le monde a gagné. Même dans le pays, mais ils ont un ministère de justice. Bon, comprendre ma kamo bande konangaye. Puisque tout ce que nous voyons sur la terre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu a tellement la force sur ses créatures, sur sa création, que bango, sans le savoir, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi même le procureur, on a procureur Ezali Moutoyo, a kendako funda ba, tu basali kambu, nandenge pona na compte ya l'État. Or, diable Satan, et donc, Komboana Satan, ils ont presque un démon procureur. Pourquoi? Puisque ceux qui ont sali ma bé, à Kenda Kofunda, à Mona Kitomone Kamba Job, à Keko Kolobaba Kambouli, donc sur Job. Quand toi tu fais des choses, le diable prend, n'est-ce pas, ton dossier. À mon pays, ça m'a habité à mon bâtiment, mais le Saint-Esprit maintenant, il va convaincre le monde. Y compris yo Ozolandangai, tu es monde. Il va te convaincre de pécher. Ça dit, ah, tout ça, que le blaga retour à Yeshua. Yeshua, ko zonga, ko zwaba anaye, mais avant Zwabango, il ne faut pas se la préparer, pas se la renseigner. Il y a d'autres même qui sont chrétiens depuis leur jeune âge, mais ils n'ont pas encore cette relation saine avec Dieu. C'est pourquoi les choses que je suis en train de dire ici, Epesa makasi, n'est-ce pas que l'Ukanzambe de vrai? Le Saint-Esprit est là, nakati amokili, parmi nous, il est là. Puisque Yeshua l'a dit, akokende, akotinda Saint-Esprit. Ça dit Saint-Esprit azali. Mais ce qu'on a moutounio, ce qu'on dit, mais Yeshua, Saint-Esprit a quitté assurier, a convaincre nos péchés, a convaincre la justice. Et puis, un jugement. Premier jugement, c'est un jugement personnel. Avant de faire quelque chose, tu te poses une question. Ce que je fais, c'est bien ou c'est mauvais? Et si c'est mauvais, je le fais quand même, mais je sais quand même que c'est mauvais, je serai condamné. Si c'est bien, je ne le fais pas, gloire à Dieu.
C'est-à-dire, jugement. À part jugement personnel, les jugements, ils ne savent pas écouter. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils sont en train de vous dire ici, c'est pour que vous n'ayez pas le jugement de Dieu sur vous en étant pécheur pour qu'un enfer. Pour qu'un enfer. Tu es chrétien ou non chrétien, croyant ou non croyant, disciple ou non ou pas disciple, le message que je suis en train de te donner aujourd'hui, ça pour nous aider à comprendre que événement liboso ou bien événement numéro zéro, puisqu'ils ont concerné Mingi Yeshua, ils ont retourné. Alors, yo si vous avez un temps de retour, il n'y aura plus le temps de transition. Donc, il n'y aura pas de temps de temps de transition, en fait. Puisqu'ils ont un instant. Aïe, dans ma pata, biso tokei, tokenae. Mais, enlèvement au lobaron prochainement. Je vais continuer la lecture, car je vais vous donner la place. Donc, le Saint-Esprit, il va convaincre, n'est-ce pas, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire, ce qui Saint-Esprit a yé, pour nous convaincre, pour nous assumer, et ça pour nous d'abord les bosses, à croire dans Zambé. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas croire en Dieu. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens faire des débats, puisqu'ils ne sont pas capables de capter le qu'on a dans le bango. Et d'autres, ils appellent Dieu nature. La mère nature, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui va convaincre maintenant Batu na masumu, Batu baye binzambete, baye banzambe. Yoso landanga soye binzambete, par ces messages, comprendre qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas né, au hasard, non. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es quelqu'un Oyonzambe a prédestiné à qui? Alors, c'est à toi maintenant de faire le pas vers lui. Le Saint-Esprit va convaincre, n'est-ce pas, pour ce qui concerne le péché, parce que les gens ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Oh, c'est-à-dire, cette justice maintenant, oh, il y a les que Dieu est juste, il te donne le temps de croire en lui pour laisser abandonner le péché, afin que la justice n'aille aux la sauver. Si tu commets de péché, la justice n'est pas aux la condamner. C'est ça la justice de Dieu. Et que vous ne me verrez plus, vous ne me verrez plus. La justice de Dieu, c'est-à-dire, Dieu enlève Yeshua, Yeshua part, puis tu es au mais c'est pas le Saint-Esprit que tu revivrais, tu allais revivre dans la carte du Saint-Esprit. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement, pourquoi? Puisque déjà, avant même que Nzambe a jugé Mokili, le diable est déjà condamné. C'est ainsi que ceux qui ont osé moins Nzambe, osé moins Satan, automatique. Puisque le Satan, le diable, au fait, lui, déjà, a sa part. A yébi que, il y a qu'on changer sous souté, a qu'on bon le moté maté, a qu'on changer bizal la été, puisque sa condamnation est déjà déterminée. Alors, maintenant, le jugement sera pas seulement sur le diable, mais sur ceux-là qui ne croient pas en Dieu. C'est ainsi que le retour, n'est-ce pas, Yeshua, Ezali, manifestation, il y a gloire, naïe, par rapport, il y a mission, ça y est, dans mon kili. Événement numéro zéro, na Benkiango, pourquoi? Puisque ils ont concerné plus retour, naïe. Bisso, tout ça attend les lots, na lobby, y a kubongi sa vie na biso, afin que toko ma ban anzambe tu la baptisé du Saint Esprit et que biso toko masko yo prêt pour na kosa enlever. Enlèvement eza loko la mutu ake kozwa train na gare. Heure à train ouye biango. Ok, ose la train. Bah le biso retard y a 20 minutes. Mais retard à 20 minutes on va komaka à peu près. Pour bon, en fait. Et soudain, train qu'il y a eu Mathieu Kéye.
Mais imagine-toi que balobi 20 minutes en retard, yo au lieu haute zela donc na place à queue na gare, yo kiti na selobi que bokom a 20 minutes na ke moi 15 minutes na kozonga au coûte à 35 et tu vas condamner personne pourquoi puisque ils en a kata tant nango. Ça dit tant ya nzambe zali. Tu expliquer l'enlèvement prochainement. Azaki t'a expliqué d'abord retour ya Yeshua, ya li événement ya munene oyo ekuya avant enlèvement mais sauf que ils ont nion soumis les a combiné ils ont instant moko Yeshua yé ils ont enlevé donc prochainement tu le blesses sur enlèvement jusqu'à la seule question zali botou na biso et pour nato yé bande intro continuer de trouver qui botou na biso par mail par message sur téléphone puisque malheureusement ne trouver qui commentaire na ba mis sous bloqué ango boko na biso c'est mieux et je vois que Kokoma Boué ça vous donne aussi le temps de lire ça vous donne aussi le temps aussi de interagir avec nous et puis aussi ne pas seulement regarder la vidéo et puis zapper mais prendre le temps réellement de comprendre ce que nous avons prêché Kolasa Rabiso grâce tout coûte en balassima avec la deuxième partie de la Bible sur l'enlèvement donc ce qui nous concerne plus nous étant disciples à Yeshua que Dieu vous bénisse Shalom.